YouTube, bienvenue sur Geek Redemption pour la suite de Devil May Cry 3 et nous sommes à la mission 4 et là c'est instant cinématique. Looks like we have an uninvited guest. Is that so? A human. A woman. I'm afraid I should ask the uninvited one to leave. That is what you want. Actually, I happen to be acquainted with that woman. A storm is approaching. Du coup, on démarre la mission 4, donc on va regarder un peu le style avec des tailles, voilà. Et avec le fusil, ah oui, le rapid shot et le charge shot, le firewalk aussi, putain, ça c'était vachement pratique. Et en Swordmaster, on a Cerberus, le Flyker, ouais. Bon, on va utiliser un peu le Swordmaster, allez. Soyons fous. Arme à feu. Bah, de toute façon, j'ai rien à changer, donc vu qu'on peut prendre deux armes. Par contre. Cerberus, qu'est-ce qu'il a lui? Il a le revolver niveau 2, détail. Version améliorée du revolver pour une vitesse de rotation plus élevée. Puissance machin, ouais. World Mile, donc détail. Faites tourner Nunchaku comme des hélices avant de frapper rapidement l'ennemi. Maintenez. Test le cerveau à l'arrière. Ok. Ah oui, après il y a les objets, ouais. Toujours bien de pouvoir améliorer ça peu sa vie au début. Par contre, non, il n'y a pas. C'est le problème de Nunchaku, c'est que je vais quasiment pas l'utiliser. Donc, on va plutôt déverrouiller le Stinger de rang 2. Parce que il faut le faire de loin, sinon c'est très casse-cou. Vous avez bien vu, à chaque fois il me manquait un peu de porteur. Direct, je peux donner un coup de cure-dent. Donc là on est au rez-de-chaussée. Là vous allez voir. Voilà, là le Stinger est beaucoup plus agréable parce que sinon c'était trop court. Donc là on a ça aussi. Ok, tu martèles. Bon, c'est un peu débile parce que là il maintient. Mais bon. Ouais, on peut gratter déjà les boules rouges, effectivement, là, hop. Hop là. Alors, ouais, la porte bleue, donc c'était celle-là, donc go. Ah, par contre, j'ai plus l'esquive. Ah ok, c'est ça. On va tester un peu le Nunchaku. Même si je suis moins fan du Nunchaku. Ok, bon, classique. Hein. Bon là, vous allez voir, voilà, ça se réveille. Hein. C'est cousu de fil blanc, hein, comme on dit. Hein. Ah, problème c'est voilà. Et, ah, c'était un des problèmes du 3, c'était le changement de caméra. Au final, peut-être avec le temps, j'ai peut-être aimé le Shaikou, finalement.
suite, c'est un peu moins nerveux, donc du coup les combos sont un peu plus chiants. On va dire que si vous voulez retrouver à peu près le gameplay un peu nerveux, même dans le 4, je suis même pas sûr que ce soit aussi tant nerveux. Bon, juste que de me faire insulter en commentaire, mais bon. À un moment, faut assumer ce qu'on dit aussi après. Ok, ça a rien déverrouillé? Celui qui possède la volonté de la tempête, je lègue l'âme d'acier. La volonté de la tempête. De toute façon, tu t'en fous, tu peux pas y aller. Hop. Ah oui, avec les pièces d'échecs. D'ailleurs, vous avez un passage qui est assez sympa avec ce niveau-là. Par contre, il fallait pas, il me semble, tout couper. Ah si, il fallait tout dégager, autant pour moi. Ça c'est l'habitude du préquel, excuse-moi. Ah ça va être le problème, c'est de réadapter au gameplay au fur et à mesure. Mais bon, ça c'est la vie hein. Et puis bon, bien sûr, rébellion hein. Toujours rébellion hein. Non, toi tu fermes ta bouche. Ah putain, le problème c'est que j'ai pas le gun misker là. Allez, allez, allez! Ah, dommage. Olé! Ah ouais, putain, la main qui fait chier, là. J'avais oublié ce petit détail à la con. Alors, par contre... Alors, punaise, j'adore ça parce que on voit que dalle. Ah, merde, alors. Attendez. What the fuck? On est d'accord, ouais, je peux pas monter là. Là non plus. Là oui. Ah bah voilà. Donc là on est encore monté au-dessus. Bon là ça va être l'ascension moi, de toute façon. La première partie du gameplay, la première partie du jeu de toute façon ça va être l'ascension jusque Virgile. Donc soyez pas surpris hein. Ah non, il peut pas revenir à ses bouchées, ouais. Il y a... Non, là non plus. Ok. Ah ! Voilà, le changement de caméra. C'était ça le problème du jeu, un peu, à l'époque. Ok. Et là, t'as un niveau secret, il me semble. Renforce ton âme, l'avenir sans limite à ceux qui viennent courageusement à sa rencontre. Il me semble que ça s'écroule, ça, non ? Ouais, bingo. Et j'ai pas l'objet. Ah
Moi, je vais quand même apprendre le combo pour la simple et bonne raison que ça va me faire plus de points de style. Stylish, ma gueule! Aïe! Solide! Allez hop! Et là, bon, on réapparaît forcément. Il n'y en a pas l'objet, je pense, pour passer au début. C'est beaucoup plus tard qu'on l'a. Oh, mais non, ça suffisait pour débloquer. Autant pour moi. C'est pas maintenant qu'on a le boss. C'est plus tard. Ah si, c'est maintenant. Oh putain. Celui-là. Une fois qu'on est posé dessus, ça va. Il faut être posé dessus. Voilà, puis une fois que vous connaissez le système, après, vous savez qu'il va tourner. Et après, vous avez juste à timer pour retomber dessus, quoi. C'est juste il faut qu'il sorte du bon. Faut le trouver dans le bon trou. Je sais plus où est-ce qu'il sort. Ah. Fils de pute. T'es fou ma gueule. Le but c'était de grimper dessus pour l'achever assez rapidement quoi. A loupé. Par contre, je regrette de ne pas avoir pris Ah. Aïe, aïe. Je me fais comboter la gueule. Putain, il y avait une astuce. Parce que je m'étais amusé pendant un moment à regarder un speedrun de Devil May Cry 3 à l'époque sur 88 Malsayer. Pour ceux qui connaissent Real Myop et... cœur de Vandal. Je sais même plus Ouch. Maman la chenille. Je me suis planté un peu la tronche. Alors là faut bien être calmé là. Non, viens, t'as pas. Voilà, vous avez vu là, une fois qu'on était bien monté dessus, on lui a bien cassé sa mère là. Allons Martel. Allez KO. Bon, j'ai fait mon gros fils de pute quand même. Tu m'as dégagé, c'était pas grave, je te flingue. Alors ça va être casse-couille parce qu'en fait chaque petit morceau va laisser une orbe, il faut se dépêcher d'aller se chercher. Et là forcément, il y a le bug de son du succès. Battez le gigapède. En plus j'ai les noms officiels maintenant avec les succès. Le gigapède. Alors, observatoire astronomique, qu'est-ce qu'on a là? La planche astronomique.
Aïe, il va essayer le coup de pied, je crois. Ah ouais, lui, il faisait trop triper. This tower here is very sturdy. You see? Your tricks will do no good. No good! Zip it, or I'll pierce that big nose. That could be a problem. Just hear me out. You've got nothing to lose, right? My name is Jester, and I know a thing or two about this place. That thing there is a power generator for this entire sector. In order to open the door, you need to apply a little something to it first. Do you know what that is, kid? Or is that too difficult for you? Get to the point, or you want to keep on dancing? I prefer a sword to be my partner. May I have this dance, my lady? Bingo! That is what the something is. Remember that, kid. Write it down on your hand if you don't trust your head. I see. Thanks. You still piss me off, though. Mais tu mérites des claques. Alors pour YouTube, on va s'arrêter ici. Donc comme d'hab, tu connais les bails. Si tu as aimé, tu mets un pouce. Si tu veux partager, tu partages. Si tu as commentaire, tu commentes. T'es assez grand pour savoir ce que tu dois faire. Voilà. Donc YouTube, je vous dis à la prochaine pour l'épisode 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Et Twitch, je vous dis à tout de suite.